Le boléro, évidemment, tout le monde connaît cette musique. Presque tout le monde, j'ai envie de dire, connaît aussi l'interprétation que Maurice en a fait, cette mise en scène, la table rouge. C'est une œuvre vraiment mythique qui a été dansée aussi bien par des hommes que par des femmes. Actuellement, au BBL, on est plusieurs interprètes. Il y a Elisabeth qui a travaillé directement avec Maurice, qui sera sur scène au mois de juin. À mes côtés aussi, je serai sur scène au mois de juin. Et on aura aussi certainement de nouvelles interprètes. Maurice disait toujours que le boléro, il avait cette idée d'un homme ou d'une femme sur une table, des garçons autour qui la regardent ou qui le regardent et qui hésitent. Est-ce qu'ils vont danser avec elle? Est-ce qu'ils vont danser avec lui? Est-ce que ça va être un combat? Est-ce que c'est une attraction sexuelle? Tout ça doit rester dans une espèce de naturel et toujours de vérité.